Et là, c'est du coup V pour VOD. On lance tout ça. Bonjour à toutes et à tous, c'est Atomium. Encore une fois, bienvenue dans cette nouvelle session des MC5. On continue. Je ne sais pas avec quel personnage. On vient de terminer deux missions avec Dante. Et surtout, on a eu un combat de l'enfer avec du coup un personnage qui nous a quand même permis de construire une moto à base de deux lames un peu chelou. Bref, une arme un peu vénère, en tout cas on l'imagine. Et donc bah du coup là l'idée c'est qu'on est de nouveau dans le passé, puisqu'on va avoir a priori en tout cas l'histoire expliquée pour V et Yamato. Là j'avoue je suis sans voix. Mais je trouve ça cool qu'ils introduisent vraiment le personnage de V et a priori il a un vrai lien en fait avec l'ensemble, ce qui peut être sympa. Donc sorti de son long sommeil, Dante se dirige vers le roi des démons. Il terrasse le chevalier qui barre sa route, celui qu'on a affronté, délivre Trish, qui était enfermé à l'intérieur, et repart vers le Cliffot, ou Cliffos, je sais pas comment on dit. De son côté, donc, V révèle son mystérieux passé à Trish. Il était très mystérieux, très très mystérieux. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. To separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Non, mais le twist est total! Le twist est total, en fait! Non! En fait, V, c'est vraiment Virgile! I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you, right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Le je suis pas ta mère est assez magique. Mais je suis pas ta mère. D'autant plus que c'est quand même une copie, quoi. Ah, le retour de la classe, bien évidemment. Toujours avec Dante, donc. Et ouais, donc en fait, donc V, c'est Virgile. Et surtout, là où ça tue, c'est que, bah du coup, merci Mizu au passage qui a fait un host.
et bienvenue aux personnes qui viennent de chez Mizu. Oui, et du coup, en plus de ça, l'autre élément quand même assez fort du truc, c'est de dire que bah, le boss final aussi, finalement. Partie démoniaque, partie humaine. Le simili et le sans-cœur, quoi. C'est... Il y a beaucoup de choses qui nous rappellent Kingdom Hearts 3 quand même dans ce jeu. C'est terrible, c'est pas la première fois qu'on se fait la remarque. C'est terrible, c'est terrible. Allez, on va faire le sprint au passage, double saut parce que quand même faut pas déconner. Le Trigger Hearts, oui, qui fait qu'on l'a plus longtemps. C'est vrai que ça peut être sympa. Après le reste, honnêtement, on s'en fout. Si on peut monter le. Ah bah non, donc on va laisser comme ça. Ouais. Et ouais, c'est stylé. C'est stylé. Non, franchement, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'ils ont fait un truc assez marrant avec un personnage qu'on connaissait déjà, quoi. Donc, le petit twist est marrant. Voilà, c'est pas révolutionnaire, on est bien d'accord, mais c'est quand même marrant. Donc, ouais. Il y a un petit truc. Il y a un petit truc. Mais du coup, moi j'attends le moment où en fait il y aura le vrai boss final et où Virgil en fait va se reformer, quoi. C'est le moment où on va tuer l'espèce de gros méchant. Du coup, V, il reprend la forme classique. Donc il redevient Virgile et après c'est la vraie bataille finale, quoi. Ça serait ouf. Mais encore une fois, je fantasme du combat avec Virgile au katana et tout là. J'espère vraiment qu'ils vont le faire. Même si du coup s'ils font ça, ça sent à mille lieues le DLC complètement cramé avec la possibilité de jouer Virgile, on verra. On verra, on verra. Bon bref, allez, on va arrêter de supputer. Merci Zatamok qui s'abonne à la chaîne avec son compte Prime, merci beaucoup. Merci aux personnes qui pensent au Prime encore une fois, merci beaucoup. Et là, attention, oh là, oh là, oh là, attends. Faut que je m'en mette dedans. Non mais claque pas les trucs comme ça. Alors oui, je vous l'ai pas dit mais du coup on a changé la musique. On a les vraies musiques de combat là. On allait dans le jukebox, on a pu changer effectivement. Et là j'ai pas envie de me battre juste pour laisser le combat, la musique. Cette musique! Ne t'arrête jamais! Non! Elle s'est arrêtée! J'espère qu'elle reprend au moment où on s'est allé laisser. Non, elle repart du début. Ah, c'est sale! Ah, c'est sale! Il pourrait au moins la relancer où on en était. Alors, on va mettre des coups de moto maintenant, c'est ça qui va changer. Ah, oui, c'est vrai que j'aurais pu aussi acheter des compétences pour la moto. J'ai en mode rien à foutre de la moto, j'avoue, j'ai zappé complètement. Je découpe des trucs avec ma moto. Est-ce qu'on peut découper aussi avec ça? Ah oui, non, quand même. Et là, ça va chier. Calme-toi. C'est un peu une arme de bourrin, la moto, par contre. Je veux pas faire le foufou, mais... Alors on m'a dit qu'il y avait une jauge de breaker qui expliquait le fait que je pouvais pas... Ah mais oui, c'est ça. Ah, il m'emprisonne les salauds. Ou alors c'est quand elle est pleine, je peux plus contrer peut-être. Ah, c'est compliqué là. Bon après on joue tranquille. Allez, full pied. Après c'est vrai que Virgil, quand on l'a vu dans la cinématique, il était pas au meilleur de sa forme non plus, quoi. Donc peut-être que ça chie un peu et que c'est pas si simple que ça ce que je raconte là, ouais. Mais s'il vous plaît, ne spoilez pas sur le chat le scénario. Qu'on spoil le gameplay, je m'en fous, les missions secrètes, genre attention là il y a une mission, c'est ok, c'est même cool. Mais par contre ouais non, pas le scénario s'il vous plaît. Alors. Très bien. Et là, c'est le drame. J'étais sûr. Ah. Le retour des fistules. Où est-ce qu'on va du coup? Oui, bon, on va aller. You need some blood, huh? Sorry. You wouldn't like mine. Ah!
Non, il faut du sang. Alors, je fais croix. Alors là, c'est compliqué parce que j'ai envie de... Ouais. Non, mais en fait, non. Là et là, c'est deux endroits où on pourrait aller, mais on ira plus tard. Très bien. Ok. Et là. Très bien. On récupère les bestioles. Larves de Nidhogg. Donc là on a le choix entre aller en haut ou aller en bas. Moi je dirais qu'il faut aller en haut parce que comme ça au moins on peut charger le deuxième bassin. Alors que ça se trouve c'est en bas parce qu'en bas il y avait un secret qui permettait après d'aller en haut. C'est vrai qu'elle a un petit côté mission de DMC hein, cette mission là. Ah, ce truc là vraiment je m'y ferai jamais je pense. Trop bizarre. Ah ça y est. Alors attends, on va réessayer la moto un petit peu. On m'a dit qu'il fallait que je laisse attendre parce qu'il y avait des dégâts supplémentaires avec les roues. Oh la vache. C'est pas du tout mon style de gameplay par contre. Ça je vous le dis, c'est pas mon truc. Merde, j'ai raté le deuxième contre, c'est pas grave. C'est trop dur de faire vers l'avant alors que tu sais pas si t'es vers l'avant quoi. Ah c'est super chaud. Bon allez, Mila. Ah, la violence. La violence de l'action, mais tu pètes un plomb. C'est terrible. Alors déjà on récupère ça. Voilà. Alors on me dit ferron avec la moto. Ah c'est vrai qu'on l'a pas trop fait rond avec la moto. Mais non, c'est ça que je vais faire. Là. Alors, Ah d'accord. Ah oui, c'est gratuit ça. C'est complètement gratuit. Genre ça là. D'accord, ok. Intéressant. Par contre, du coup, là, on a complètement zappé, je pense, une partie du jeu. Mais là, il y a tellement quelque chose. T'es tellement cramé à un kilomètre que t'as des trucs à faire là. Ouais, je pense qu'il fallait aller en bas en fait. Bon, c'est pas très grave, hein, mais ouais. On a raté une zone quoi. Donc potentiellement un secret. Je vais reprendre la lame par contre. Francis. Ce genre de blague que j'aime les lives. Non, le mec. Avouez qu'avec la musique ça change tout quand même. Allez, on laisse le son à fond cette fois-ci. Aïe, oh ça pique. Yeah.
Ouah, dur. Ouah, dur. Mais il est super chaud celui-là. Ok. C'est plus compliqué. En fait, il est speed, mais surtout pour la contre-attaque, je voyais pas le timing, donc c'est un peu difficile. Après voilà, il y avait des choses qui se faisaient, hein, mais c'était pas évident. Attends, il y a un truc là. Non, c'est pour le fun. Très bien. Oh great, crossroads. Alors défonce ça. Des fois que. On sait jamais, on sait jamais. Genre là, y a rien. Mais quel vieux troll. Ah, ça y est, ça chie. Donc là, c'est le moment de faire un triple S. Quel bourrin. Quel jeu de bourrin. Mais quel jeu de bourrin. Ah putain, j'ai sauté, j'ai pas esquivé. C'est un jeu vénère, hein. C'est un jeu vénère, ça. Tout sur la finesse. J'arrive pas à faire les contres encore une fois. C'est dommage. C'est dommage. On y était presque sur le triple S, mais il y a eu un petit couac, qu'on a redescendu en S et après c'est trop tard. C'est dommage. Ça aurait pu être sympa, mais on s'est loupé. On va dire que le plus important c'est d'avoir participé. Voilà pour vous, monsieur. Ah bah voilà, nickel. Très bien, donc là en fait c'est la deuxième rivière de sang qu'on voulait activer. Donc on a eu raison de passer en haut finalement, parce qu'on va repasser en bas. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se serait passé si on était passé en bas direct? Ah, il y a 4 bacs en fait. Donc on en a pour la nuit des temps. D'accord. D'accord. Yep. Here comes the blood. Très bien. Donc la mission risque d'être assez longue, hein. Si jamais on a fait qu'un petit bout de la mission et pas son entièreté là. Ça peut être costaud, mais c'est bien parce que ça permet de voir aussi d'autres choses côté gameplay. Après, je comprends pour les gens qui sont pas trop technicité d'un beat'em all, que ce jeu-là puisse paraître au bout d'un moment un peu répétitif. Parce que c'est vrai que là, moi, je suis à balle parce que je sais que voilà, le gameplay me plaît de ouf. Et en fait, je vois même pas les missions en mode il y a de l'histoire. En fait, l'histoire, elle est là pour habiller le fait que je découvre le... Attendez, hop. Que je découvre le gameplay et que je progresse, en fait. J'ai juste l'impression de jouer à un training mode, en fait, avec des ciné, quoi. Ah, il est dur, ce jeu. Il est super dur. Après, il y a un moment, faut jouer. Faut aimer le genre, ouais, mais c'est exactement ça.
Faut se dire qu'en fait, le but c'est de progresser. Mais après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Ah, attention, calme-toi. Non, c'est pas ça que je voulais. Je sais pas où il est là. Je voyais plus en perso. Ah, encore le retour des embrouilles. Je l'aime pas celui-là. Non, toujours pas. Il est agaçant. C'est bon. C'est Beyblade ce perso. Ouais, non, celui-là, ouais, un petit peu, ouais, j'avoue. Il y a un petit peu de ça, ouais. Alors, si on regarde un petit peu autour de nous, est-ce qu'on a des choses à trouver? Il y avait des choses à détruire, certes, mais à trouver, non. Ah, quoique. Pas du tout. Je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un petit 3, 2, 1, go. Ah mais du coup on a déjà trouvé le deuxième, d'accord. Ça règle la question du sang. On reconnaît d'ailleurs complètement la mécanique fluide et le visuel de Resident Evil 2 là pour le coup. Avec la zone dans les égouts, je sais pas si vous avez fait le jeu. Très bon jeu, très très bon jeu. Ouais. Piment qui soulève un débat intéressant. Est-ce qu'il aurait fallu qu'on passe le stream en 18 et plus vu le jeu? Il est Peggy combien ce jeu là d'ailleurs? Je sais même pas, j'ai même pas regardé, j'avoue. Bah en fait vu que je vois surtout le gameplay et pas vraiment les images dans ce genre de jeu, c'est vrai que j'ai pas tendance à avoir le recul nécessaire. Donc là surtout on descend pas. Ah il est Peggy 18, d'accord, ok. Ah putain ouais, peut-être que ça aurait valu le coup quand même. D'accord. Bon après ça peut se comprendre. Pas déconner quand même. C'est voilà. Il y a un terrain quoi. Donc a priori on est passé au bon endroit. Au violent c'est langage grossier. Oui ça c'est sûr. Je fais le demi-tour mais en fait ça sert à rien ouais. Je pouvais tourner là-bas. Alors attendez, où est-ce qu'il fallait que j'aille du coup? Je me suis paumé. C'est là et à droite hein, si j'ai pas de conneries. Ouais c'est ça voilà. Très très bien l'Avdo le jeu. Très très bien. J'étais pas perdu, vous êtes mauvaise langue. Et c'est vrai que cet interrupteur là il est quand même 18 et plus. Attends. Les gens qui ont fait le jeu là, petit backseat. Est-ce qu'il faut que je termine l'énigme avant d'avancer là? Parce que j'ai l'impression qu'il me manque quand même un truc. Et qu'en fait je suis pas du tout dans ma direction quoi. On avance en terminant l'énigme du coup. Dommage parce que là ça donne envie de faire le... Ah oui mais c'est vrai qu'on a le double saut maintenant. J'avais oublié. On va avancer, on verra. Ah merde. Allez, je règle le son après. Passe tout, on tape tout. Un brin de brutalité. Ah
Ah, le retour. Non, j'ai fait... Oh, c'est dégueulasse. J'ai foiré le contre. Je suis dégoûté. J'ai fait exprès de pas esquive en plus, juste pour ça. Oh, il m'a énervé. Franchement, je suis dégoûté parce que j'avais fait le contre comme je le voulais, mais en fait, c'est pas passé du tout et donc finalement, ça a été nul. Mais ouais, le... en fait, peut-être que c'était une chope et que du coup, le contre était pas possible. C'est possible aussi, ce sont des choses qui peuvent arriver. Ah, vas-y, le vieux trick de merde. C'est pas vrai. Il a vraiment fait ça. Eh, il a vraiment fait ça. En plus, il nous met des ennemis nuls. C'est pas grave. Quelle chance. Là on n'est pas obligé de combattre donc on laisse. Et donc là j'imagine que c'est la fin. Très bien, donc on est monté. Dernière phase. Quand tu maintiens Y ou triangle, t'es en mode esquive et si tu dashes sur le côté et que t'as un hypercut qui fait très mal, pareil pour les pieds. Ah! Tac, ça marche. Ah oui, c'est celui qu'on a vu. Oui, c'est celui qu'on a vu. On l'a acheté en plus ce truc. Bien vu, ouais. Bien vu, bien vu. Merci pour le. Ouais, pour l'aide. Très bien. Donc là par contre juste on va retourner ici parce que je pense qu'il y a... Oh il y a un secret là. C'est un secret ça? Non? Non mais ça pue le secret à un kilomètre. Non? Ou alors on est déjà venu ici et je m'en suis pas rendu compte? Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais là? Ah non, fais pas ça. Mais c'est inhumain. Mais me fais pas un truc comme ça, mais c'est pas possible. Attends, alors peut-être qu'il y avait une merdouille à détruire. Attends, mais... Mais quoi? Attends. Alors, regardons. Il y a effectivement un secret. Je me suis déjà perdu. Donc nous on veut aller là, d'accord? Ouais, ça doit être par là, oui j'imagine. Ah déjà est-ce que ça se détruit? Non. Oh ça sent le moment où je vais galérer, je suis désolé d'avance. Donc là, l'idée, c'est de trouver le chemin qui mène par là-bas, quoi. Parce que là, on a ça. Mais c'est pas encore ça. C'est encore plus à droite que ça. Donc c'est à droite de ça. Donc c'est derrière. Donc c'est là, en fait. Et à droite, ici. Alors, il y a ça qui est là. Et là, on est en train de beaucoup monter, quoi. Pour finalement redescendre, mais ouais. On pourrait tenter un truc par là-bas, mais ça doit pas être ça. Je sais pas. À mon avis, on a trop tourné déjà.
Merci Lotzig, merci beaucoup. Eh oui, 1-0 pour le... Comme tu le dis, 1-0 pour le jeu là. Donc là, le fait de faire ça, ça n'a aucun sens. D'accord. Je voulais vérifier, on sait jamais. Non, bah, je sais pas. Je sens que je vais rage quit et que je sais pas. Attends, j'aurais vraiment bien vu un truc à détruire à la con quelque part, mais ouais. Mais a priori, non. Même avec le double saut, je vois pas. Après, on peut tenter les gruges, hein, c'est pas grave, mais ouais. On peut tenter les petites gruges, je pense, mais je pense pas que ça serve à quelque chose. Genre là, quoi. Bon, allez, c'est pas grave. Je le referai de mon côté, c'est pas un souci. Encore une fois, je pense à vous. Comment ça, ça te rappelle les souvenirs? Ah, attends, il y a full énigme là. Mission secrète ici. Jeu de merde. Pas de spoil de l'histoire, c'est la règle du stream. Et là, c'est le drame. Alors, restez en l'air pendant plus de 15 secondes. Waouh, alors ça, j'ai des vieux souvenirs de missions comme ça, très très difficiles. Ça peut être vraiment compliqué. Alors, on attend infini. J'essaye encore deux fois et après je laisse tomber. Alors qu'est-ce qui me ferait rester en l'air? Je dirais le... Attends, ça c'est sûr. Je réfléchis au niveau des coups que j'ai. Eh couillon, j'étais en train de me préparer. Alors pour moi la moto c'est ok. Pistolet et moto, c'est ok. Ah, le gunslinger peut-être en pistolet, effectivement. On est ok. Allez. C'est chaud. C'est chaud. Franchement, je sais pas. Ah si, mais si, je suis con. Non, je peux pas le faire. Non, c'est bon, je sais. Je le ferai plus tard. Parce qu'après, t'as le truc qui te permet de sauter sur la tête de l'ennemi. Et donc, du coup, tu peux te reboot, en fait. Donc, oui, non, ça sert à rien de le faire maintenant. De toute façon, elle est verrouillée maintenant. Oui, en fait, après, on peut acheter une compétence qui permet de sauter sur la tête de l'adversaire. Donc, en gros, tu fais l'attaque de celui qui est sur les airs. Après, derrière, tu fais en sorte qu'il croise l'autre. Tu fais le saut, tu reviens et tu... Oui. Et après, tu reviens. Oui, oui, c'est ça. Bah, j'ai le double saut, mais c'est pas... ça suffit pas. Ouais, après oui, il y a le saut contre le mur aussi qui permet de le faire. Enfin, il y a plein de choses à faire comme ça, mais ouais, c'est. Faut que je puisse reboot mon saut sur un adversaire en fait. Donc ça sert à rien de se faire chier là, alors que quand j'aurai le saut, ce sera beaucoup plus simple. Pas forcément simple, mais plus simple. Est-ce qu'on a tout? Ouais. Ah, intéressant. Ah! Bah tiens. On en parlait. Personnalisation. Alors aptitude. Du coup appui ennemi. Ah je peux pas l'acheter encore. Bon bah non. Bon, pas. Alors je pourrais améliorer aussi la moto bien sûr, mais ça m'intéresse plus que ça. On va voir.
Albanian qui dit qu'il a réussi sans les 15 secondes. Alors je doute pas que... Enfin, sans le saut sur la tête, bien sûr que c'est possible. Mais après, l'idée, c'est qu'il y a une différence entre le faire, moi, tout seul dans mon salon, jouer devant ma télé, et puis bloquer sur le truc à un moment, et puis là, être en live, et du coup, vouloir quand même avancer un petit peu et vous montrer un jeu fluide, quoi. C'est moi ou on arrive sur un moment épique de ouf, là? Ah, mais c'est l'endroit où il s'est... Ouf! Où ça va être bien, ça? Demonic power was activated in me once when Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! Dante. Oh mais l'épicness du bordel. Oh là 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 là, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Donc là du coup ouais, on est officiellement réincarnation de Sparda là, pour de vrai de vrai. Par contre juste un truc, en plus c'est les deux démons qui s'affrontent quoi, ça a aucun sens. Juste le truc c'est que oui du coup je réalise que Sparda on l'a jamais vu en forme entre guillemets comme bah, peut l'être Dante ou Virgil. Il a que la forme démon qui existe parce que du coup je réalise que Trish quand même, du coup le mélange est particulier. Alors ok, du coup c'est parfait. Donc là on fait donc comme la rébellion machin etc, on appuie sur B pour le Swordmaster pour faire des attaques de ouf. Ah ok, invoquant des lames de façon autonome, d'accord, ok, donc là ouais, le machin absolument pété. Donc là on va faire massacre. Allez, on voit la patate. Il peut rien faire ton cristal, il peut rien faire, c'est tout là, tu croyais quoi? Oh la violence! Oh la violence! Ah merde, par contre je me suis trompé. Le Shin Devil Trigger, d'accord, attends. Maintien L1 pour libérer le pouvoir de Devil Trigger vers la jauge de... D'accord, ok. Ah, pour déverser, pardon. Le Shin, pas Shin, pardon. Shin qui fait quoi du coup? D'accord, ok. Ah, et pour transformer en fait. D'accord, en fait, donc c'est un combat classique. Et quand tu transfères, en fait, tu fais le massacre. Alors, je voulais lancer la moto, c'était pas le bon plan, je pense, la moto. Merde. On transfère.
on transfère. Et là, bam. Il doit manquer un tout petit peu. Et là, on y va. Et c'est la violence. Merde. Mais non, mais descend. C'est vénère de ouf. Ah merde, il a réinvoqué le cristal. Ça va être relou ça. Ouah, c'est relou de ouf. Calme-toi, ça fait mal aux fesses, C'est bon, on régène. Allez. All this time, and you still don't get it. It is you. Does not understand. It has begun. Mais qu'est-ce qui a commencé? What's happening? Bad news! Gotta go now! That houseplant is pissed off! Mais que va-t-il se passer? C'est terrible. Mais comment voulez-vous que j'arrête? Je peux pas m'arrêter là, c'est pas possible. Et du coup ouais, on a découvert plein de choses encore une fois. Mais oh là 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 là, mon dieu. Mais alors du coup, que va-t-il se passer pour V? Et que va-t-il se passer pour du coup cette espèce de bestiole infâme en fait qu'ils ont créé, espèce de plante un peu folle là. Ouais. Le nom m'échappe, j'arrive pas à le prononcer, donc je préfère pas le dire. Mais ouais, c'est balèze hein. Ah, puis là, le gameplay, c'est trop bien. Et la transformation, elle est stylée. Par contre, du coup, vous m'avez dit que je régénais pas et j'avais pas vu. Et effectivement, on gagne pas sa santé, a priori, quand on s'ensemble dans la formule ultime de Sparda. Donc juste, on fait monstre dégâts, mais on regagne pas sa santé, donc à mesurer, quoi. Mais trop bien. Beaucoup trop bien. Bon, on fait la petite pause ici, du coup, pour les gens qui voient ça en VOD, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce DMC5. Pour les gens qui voient ça en live, ne coupez pas, je reviens dans quelques instants. A tout de suite.